Mais nous connaissons que nous sommes capables de manger des oranges pendant plusieurs. Encore! Ma par exemple, à tout simple là. Ouais. Fruits secs. Nous faisons pile mango. Mais dans le plateau central, nous avons un mango séché. Et là, manger un mango séché, vous prenez même vitamine que le gagnant. Souvent, vous êtes capable de boire de l'eau après, mais salez-vous, même cracher, puis dans le bouchoir, déjà fait mango là. Recommencer en dedans. La pleure avec vitamine A. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes capables de faire confiture. N'est-ce pas? Nous avons des cacao. Nous sommes capables de faire bon genre cacao. Est-ce que vous comprenez? Bon. Ensuite, et les nouées.
tout bagage ici qu'a fait là. Nous pas demander tout temps m'a parler de organisation paysan. Moi je crois que c'est nous-mêmes qui dans point de bataille là. Vous comprenez? Point couteau ou point flèche là côté qu'a prendre grand vent, c'est nous-mêmes dans comme organisation populaire. Faut que c'est sur nous pour nous capable compter, c'est nous qui pour avancer. Alors là ça secteur privé. Qui ça secteur privé va nous? Parti privé nous-mêmes après elle fait que nous chercher rendement. Parce qu'il faut activité à pas mourir, il faut qu'il continue à vivre. C'est ça que nous allons dire, créer richesse. Surtout, comme agronome capable de dire, son idée qui est très chère à lui-même. Agriculture, enfin, tout haïtien pas foutu faire agriculture. Donc il faut qu'il y ait l'autre activité qui peut faire. C'est ça qui fait que nous parlons de tourisme, nous parlons d'élevage, de production d'engrais, de tout pareil. En tout cas, il y a un domaine que est privé. Et secteur privé et organisation paysanne n'ont pas faire, c'est ça où il est transfert technologique, transfert connaissance, que n'ont pas faire au niveau de l'école. Si privé à Pavlel, si privé à Pavlel, et si nous voulons nous-mêmes, nous capables de chercher pour nous capables de faire, demander l'État, demander des amis que nous capables de gagner sous plan international pour faire ça. Ouais, donc nous parler là, c'est question de domaine. Technologie. Yon. Deuxième, notre bagay là, qui est river, tout bagay ça que nous avons fait, tout produit ça que nous avons fait, nous sommes capables de manger yon, nous tous. Même si nous avons fait un bon parti, puisque nous avons fait nous. Si yon bagay dit là, technicien, il ne parle pas de commercial national, il dit marketing. C'est-à-dire que les gens, ils mettent bagay là sous marché. Même pour le commerce. Commercialisation. C'est mon français, mais ce n'est pas faute. Moi, je comprends ça. C'est dans deux domaines que nous sommes capables de trouver apport que le secteur privé est capable de faire pour être capable d'aider nous à répondre à ça que nous avons besoin. Pas à ça que vous voulez, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça que vous voulez, ça c'est ça fait pas. Mais nous-mêmes, nous avons ça que nous avons besoin de mettre là, organisation. Faut que Kazek yo organise yo tout. C'est pas seulement faire élection, n'est-ce pas? Faut que yo ait tout corps yo besoin pour capable faire ça que pour capable faire. Et c'est de ça, si yo fait ça pour nous pour capable faire, il y a fait ça nous le développement local. Développement local là qui doit pour capable durable. Et faut qu'il fait aux gens pour ne pas faire back en arrière. Il faut que la machine que nous devons monter, il faut que c'est monté pour monter. Il faut que c'est en avant pour aller, qui va nous question faire back. Bien sûr, nous connaissons l'agriculture, nous comprenons. Il y a une bonne saison et une mauvaise saison. Mais si il y a une mauvaise saison, ça ne veut pas dire que nous faisons catastrophe net. N'est-ce pas, Ado? Ok? Donc, développement local. Il faut que Kazeko fasse développement local. Et nous-mêmes, développement local n'a pas venir comme ça, non? Si nous pas zigouillés, si nous partisons, nous ne pas privés dans le développement local. Nous comprenons ça? Et c'est si tout pays, tout le pays du feu-ci-là, allait vers l'avant, si nous faisons option pour le développement local, là, et bien toute activité ci-là a point sens. Nous avons trouvé pour nous capables de subsister, pour nous capables de survivre, nous avons trouvé pour nous capables de créer richesse. Seul bagage, nous dit développement local là, nous voulons dire, nous ne pouvons pas créer richesse pour ces l'autre qui peut jouer de richesse. Il faut que si nous, organisation, nous créons richesse, il faut que nous soyons capables de servir avec richesse pour qu'on pouvait pas nous et pour pouvoir payer. Merci beaucoup. Décentralisation et développement durable. Nous préparons un ensemble de 14 diapositives. Et nous avons projeté sur le mur, au fur et à mesure que nous avons parlé, nous avons suivi ensemble avec nous. Pour nous gagner du temps, nous allons rapidement, même si vous gagnez. Là, nous parlons de collectivité territoriale, tout le monde dans des casés, conseil départemental. Qui ça, vrai, qui substance trois mots ça y est là-dedans, et pour qui ça, constitution a fait choix ça. Pas ici c'était vle pour l'État ça a été gagné. Il était bali une organisation, nous dit son État fort,
décentralisé. Nous avons une métaphore décentralisée et qui implique une nouvelle organisation, l'État lui-même. Et là, je vais répéter le 7e préambule qui est dans la Constitution. Tout préambule, il dit mais qui côté peuple le pays là. Mais le 7e préambule, là, je vais toujours répéter chaque fois que l'occasion bon moi pour me parler sur la question de décentralisation. Ma plus pour nous, peuple haïtien proclamer la Constitution ça pour instaurer un régime gouvernemental qui est basé sur le respect des libertés, pour protéger les droits de l'homme, pour garantir la paix sociale, pour garantir l'équité économique, pour encourager la participation et la concertation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale par une décentralisation effective. Monsieur Ouerle, dans l'intervention là, allez, rapidement là. Dans l'intervention là, il parlait de participation. Participation, c'est vrai que, par ailleurs, de fonds internationaux, c'est vrai que c'est, mais c'est une exigence constitutionnelle que lié, que c'est par la participation que toute population a joué un rôle dans la décision qu'a prend dans le pays. Pour matérialiser, veut ça, liberté publique territoriale, l'autre là, c'est les institutions indépendantes. Institutions indépendantes, c'est 6 yoyés. C'est le Conseil électoral permanent, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est la commission de conciliation qui a pour les gros conflits entre l'exécutif et le Parlement qui vous branchez, c'est l'université, c'est l'Académie nationale et c'est l'Office de la protection du citoyen. Comment on dit nous son nouvel État, un État fort, qui a un objectif. Nous avons dit au départ que nous jouons dans le préambule numéro 7 Constitution, respect des droits humains, respect des libertés fondamentales, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale. Institution collective territoriale que article 61 à 87.7 Constitution prévoit, il dit 1. Collectivité, AZEC, département, faut le gérer par des organes propres que eux-mêmes ont choisi par voie d'élection. C'est dans l'élection que le peuple a choisi qui monde qui peut gérer en tant que section communale. C'est le peuple à lui-même qui en tant que qui peut dire qui monde qui peut gérer. C'est le peuple à lui-même qui en tant que département qui dit qui monde qui peut gérer. Eux, faut avoir des organes propres. Deuxièmement, il faut avoir des compétences par yo que vous avez exercé, compétences par yo, qui est différent de compétences par l'État. Il faut que tout le monde dans le pays apprenne qui est le monde qui a fait qui bagaille. Les moins comme citoyens qui vivent Fondwa, moi là, oui, Fondwa, pas propre, pour connaître ces cas, c'est que pas fait travail par là. Les moins comme que le bassin versant, pas amélioré, pas rangé. L'eau a détruit toute plantation, mais qu'on est qui laisse dans l'État qui va jouer rôle par là. Et deuxièmement, c'est pas seulement pour avoir un organe dans la tête qui rejoint dans l'élection, c'est pas seulement pour avoir une responsabilité pour accomplir, mais il faut avoir un moyen dans le monde et moyen, c'est eux-mêmes qui pour créer. Yo. Ça, c'est ça, nous avons les trois conditions indispensables pour nous parler de l'authentique décentralisation. Les députés ont des cartes, ils ont des détentrices, ils ont des prérogatives de puissance publique. Puissance publique dit que les gens qui ont le pouvoir pour prendre une décision unilatérale. Quand c'est capable pour le monde, est-ce que pour arrêter pour le pied? C'est le pouvoir, il prend arrêter. En tant que pour améliorer bien-être la population, même avec l'État, l'État lui-même, il a pour fournir les services publics d'intérêt général. Les collectivités, il y a pour des services publics d'intérêt local ou de proximité. De sorte que, ça qui fait en dedans Fondwa, c'est le monde Fondwa qui mieux connaît. L'État n'a pas connaît besoin de Fondwa. Il y a des responsabilités que l'État a gagné, mais question de nettoyer là, où Fondwa, de faire
bassin versant. De réparer route en dans Fondwa, remettre mon Fondwa gérer après eux. Comment va yo gérer? Yo même yo choisi qui moun yo faire confiance, qui moun qui veut vivre dans communauté, qui moun qui gon attache à communauté et c'est moun sa yo élu pour confier responsabilité ça. Quel pouvoir central là? Quel pouvoir local là? Yo bon mission de service public. C'est ça fait que nous dit que lorsque collectivité yo a travaille au même titre que l'État ou à côté de l'État, ils ont participé à l'administration et à la gestion des services publics. Les services publics, c'est l'État qui peut faire, les services publics, c'est la collectivité qui peut faire. Ils ont participé à l'aménagement du territoire. Ils ont participé au développement économique et social. Développement économique, l'ICA développement humain, l'ICA économique et social, nous avons ça tout à l'heure, soit avec M. Victor, ou bien moi-même, j'ai fini des dispositions, nous disons sur développement humain, développement durable, et ensuite, ils ont participé à la protection de l'environnement. Mais responsabilité collectivité. Ce n'est pas des gens qui l'ont chaque 4 ans pour aller dans l'élection, c'est des gens qui l'ont pour faire la population qui s'en mesure d'âme. Service à eux, des gens qui l'ont pour faire la population qui s'en mesure d'âme. Service à eux, administrer et gérer intérêt commun, intérêt section, intérêt département, aménager territoire. Toi, participer au développement économique et social de la nation et quatrièmement, assurer protection, environnement. En allez, il est capable, centraliser, il est capable, et qui deux types de décentralisation, je vais aller là, technique avec, songez, pour signer une question, écrivez. À vous dans le dans nos services là, pas on dit n'a pas de moi demander tout le monde font petit camper pour dégoûter. Tout rentrer là dans caille décentralisation. En dans caille ça, il y a plusieurs chambres. Monsieur Well est passé dans la chambre. Monsieur Pivert est passé dans l'autre chambre. Tous deux messieurs Zao passé dans la grosse chambre. Moi-même, je vais passer là dans une petite chambre qui est petite. Et le sujet par maintenant, c'est qui gens la loi en Haïti regarder les paysans. Et pour traiter ce sujet, il y a trois questions pour choisir pour nous répondre. Première question, qui ça un paysan y est? Deuxième question, qui doit paysan gagner que la loi balie? Et troisième question, qui ça paysan doit faire pour jouir droit que la loi balie? Première question, c'est qui ça? Qui ça paysan gagne? Ok, nous allons entrer dans la question. En plus, côté, il y a gardé mon cap vivre la ville, mon cap vivre. Dans le milieu rural, en dehors. Et là, ils ont balancé, c'est très difficile pour distinguer les gens qui sont paysans avec un bon critère vraiment qui permettent que vous ne pas tromper, qui permettent que vous ne pas mélanger avec la vie. Et finalement, ils ont une chita sur un dernier bagage. C'est pas ça, je vais vous demander de réfléchir sur. Je dis au monde qui est paysan, c'est au monde qui est dans une société paysanne. Ok? Pour la question, c'est qui est la société paysanne? La bonne société paysanne, la bonne société urbaine, la société qui l'a vu. Donc, qui est qui fait une société paysanne? Il y a trois bagailles fondamentales, il y a trois dans le là, on ne va pas faire trop long, qui caractérisent une société paysanne.